Salut tout le monde! Alors, c'est le premier live que je fais. Je sais même pas si ça va fonctionner. J'espère que oui. Je viens à peine, voilà, quelques secondes de terminer la lecture d'un livre et j'ai décidé d'essayer cette nouvelle technique-là, pour vous en parler. Alors, j'ai lu le livre, c'est le deuxième tome de Catherine Bourgault. Je t'aime moi non plus. Alors, sous-titre Tourment, c'est des éditions JCL. Et le premier mot qui m'est venu en tête quand je l'ai terminé, c'est No way, ça devrait être illégal de terminer avec un suspense semblable. J'en reviens pas. Moi, c'est j'aime ça, mais en même temps, ça me choque. Je suis pas choquée, insultée pour vrai, là, mais de me dire, ben là, il faut que j'attende le prochain pour savoir ce qui va arriver. Pour faire là, juste un récapitulatif du premier tome, c'est Sacha et Jenny, dans le fond, qui, lors d'une sortie au bar un soir, Sacha va comme faire tomber Jenny sans faire exprès, là, en étant un peu dans les jambes, si on veut. Ils vont tomber en amour, mais Sacha, dès les débuts, là, sa famille à Sacha avertit Jenny de se tenir loin de lui, que c'est comme un gars à problème. Sacha vit beaucoup, beaucoup de down dans sa vie. Et on apprend à la fin là, qui, dans le fond, qui vit avec la maladie de la bipolarité. Bref, je ne veux pas trop vous en dire si vous ne l'avez pas lu. Dans ce deuxième tome-là, le premier finissait avec un accident. Donc là, le frère de Sacha, Rick, est à l'hôpital. Parce que justement, Sacha a encore disparu un certain soir et Rick a voulu aller le chercher. Donc, il est parti avec sa voiture et il avait bu. Alors, il n'était pas en état de conduire et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un accident qui a impliqué une autre voiture. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est deux arrivées à l'hôpital avec deux vies incertaines. On ne sait pas s'ils vont s'en sortir. On ne sait pas s'ils sont dans un piètre état. Alors, déjà là, au début, là, moi, j'étais captivée. Je me disais, oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Et Sacha, que ça y prend absolument rien avant qu'il perde les pédales et qui réagisse tout le temps à l'extrême. Et c'est encore là ce qui est arrivé. Quand il a su qu'est-ce qui est arrivé à son frère? Ça l'a mis, écoute, à l'envers. Et s'il avait recommencé à prendre sa vie en main, ben là, ça l'a été pas mal abandonné. Alors, il a sombré, malgré les gens qui disaient, écoute, arrête, là, parce que ta mère, il faut qu'elle s'occupe de Rick, elle n'a pas le temps en plus de s'occuper de toi. Donc là, l'alcool, ça coulait à flot, il y a même la drogue qui est rentrée pas mal dans son quotidien. Et écoute, il a décidé de. Ben, il a décidé. Non. Il y a quelqu'un qui a décidé de l'envoyer dans un chalet pour l'éloigner, pour essayer d'y faire reprendre ses forces. Et là-bas, il va rencontrer une fille qu'il connaît qui veut y faire vraiment du trouble et elle va réussir vraiment. Si elle voulait pratiquement ruiner sa vie, ça l'a réussi. Elle va faire connaître à tout le monde ses faiblesses dans sa vie, les faiblesses de sa famille aussi. Et puis, elle va salir sa réputation avec des rumeurs. Et là, ben, ils vont devoir faire face à ça. Hein. Les journalistes, c'est sûr que ça cogne à la porte. C'est son ex, Jenny, elle se fait appeler constamment. Et ça finit sur, justement, le processus de la cour de son frère, qui était amené, bien évidemment, en cour. Pour avoir conduit en état d'ébriété et avoir, écoute, le jeune qui a frappé est en chaise roulante. Je me souviens pas ou je ne le sais pas là, si c'est pour la vie ou peu importe, mais et on écoute, c'est ça, on laisse
c'est ça. Je peux pas, je peux même pas vous en dire plus. On est laissé en suspens. Je me disais, oh, mais non, je peux pas attendre d'avoir l'autre. Mais là, j'ai pas le choix. Fait que je me suis dit, écoute, je l'ai fermé, puis je suis venue écrire ma chronique texte parce que je fais tout le temps un texte pour mon site web puis un vidéo pour vous. Alors, je suis venue tout de suite parce que j'étais dans l'émotion et dire à Catherine, mais je veux le troisième. C'est une fin vraiment. J'ai embarqué dans cette série-là. Au début, à cause qu'on savait pas trop ce qui se passait avec Sacha, et là, de pas trop savoir qu'est-ce qui s'en vient avec Rick, j'ai tout le temps la curiosité au max en lisant ton histoire. Alors, lui dire, Catherine, troisième, je l'attends. Et aller lire cette série-là, ça c'est le deuxième, mais le titre principal reste le même. Je t'aime, moi non plus, Catherine Bourgault, avec les éditions JCL. Donnez-moi des nouvelles. Bye tout le monde!